Bonjour tout le monde, ici Picapof QC pour notre épisode de Star Wars Jedi Survivor. Donc, dernier épisode, on avait commencé à explorer, on était revenu sur cette place-là. Oh. Ok, oui. J'étais ici. J'avais été là, il n'y avait rien. Donc là, on va explorer ici. On va faire ça, on va faire ça. Et ça y est, on a trois places. J'ai déjà été là? Oui, j'ai déjà été là. Il me semble avoir déjà été là. Et on a cette place-là. Bon, fait que commençons par le commencement, c'est-à-dire. Sais pas si je peux mettre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Elles iront parfaitement dans notre jardin. Ici. Regardez l'œil ouvert. Si jamais il y a des cosses de graines alentour, je vais essayer de les pogner, là. Tu es en mode. Je dirais que je suis pas en mode. Performance, ouais. Le jeu a de la misère, hein. Avec les performances, je sais pas. Une porte ouverte à quelque part, ça? Ou plutôt en haut? Je sais pas. Cible localisée! Ça veut dire que c'est un Jedi! C'est comme en hauteur. Vous avez. Un style, c'est possible? Merci du coup de main. Panier vert de Naboo. Ça fait rien, BD. On trouvera un autre moyen. Je peux te sauver. Je peux pas monter là. Oui, je peux monter là, mais de l'extérieur. Ça peut-tu? Genre, si je descends, je m'envole là.
monter là, sacrément. How do I go there? Haha! Ok, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'on recherche, cette? Ça pour aller là. Encore de la priorite. Je me demande combien on peut en tirer chez Doma. Il n'y avait rien d'autre que ça. Tu vas avoir quelque chose d'autre, ça. Je veux dire, c'est impossible. Hein? Il y a un putain de gros Wampa. Pas là que je vois. La créature LED, ça. Les grottes profondes. Ambitieux mais mal conçus, ces wagonnets devaient s'étendre
devait s'enfoncer dans le réseau souterrain de Kobo à la recherche de pyrites et d'autres trésors. Cependant, le coût s'avérait exorbitant et lorsque les mines roulantes ont commencé à dysfonctionner, l'opération a été abandonnée. Je me trouve là, colline indomptée. En avant, BD. Quoi t'as vu? Ah, ça. Quelle est cette boucane? Live. Pas pareil comme les autres. Châssis endommagé. Contact réussi. Ah, c'est comme les autres. Je suis blessé. L'autre zone est par là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est
Quoi, il attaque les jaguars? Gros combat là-bas. C'est parti. Elle est là. Faut que j'aille aider les Jawa. Ok. Quand c'est ça, je m'en vais là. C'est ça? Les aider à aller déjà voir. J'ai déjà été là-bas. Il me disait que c'est ça que je m'en vais faire. Ok, faites pas les malins. On pousse la ferraille et on lève les mains en l'air. Cette zone est sous le contrôle total des pillards du chaos. Vous êtes marrant, vous. Mais on dirait que vous avez beaucoup de tech plutôt intéressante. Eh ben, si j'étais pas en train de vous braquer. Je vous en achèterai sûrement. Waouh! T'as perdu ton chemin? Bien fait! Je l'ai en joue! Recherche une ouverture! C'est correct? C'est gentil, merci. Tourne, Bibi. J'ai aidé cette Jawa et cette Jawa m'a aidé. Regarde un peu. Qu'est-ce qui me manquait dans cette zone-là? Un campement ancien, deux coffres, une essence, une donnée, deux trésors. Ah, il y en a partout! Génosaurier. Ah, oh, il manquait ça, je pense, pour cette soupe-là. Je sais pas si je peux les aider, ce serait nice de faire comme
et des Jawa. Jawa. On les aide, on les aime. Ouf, t'es ce que je tombais. Imaginez-vous. Oh, j'ai l'impression que je m'en vais là. Les pillards, ils essayent de détruire le campement. Mais vite chez eux. Mais vite chez eux. Ah, il y a une craque là aussi. Ouais. Ici. Une chose à la fois. On va aller voir le... qu'est-ce qu'ils veulent. Des villages entiers peuvent vivre dans un de ces chars et voyager tous ensemble à travers une planète. Char à chenilles. Ces énormes véhicules à chenilles ont été créés à l'origine pour servir d'usines mobiles d'extraction et de fusion capables de résister aux conditions extrêmes des planètes frontalières. Au fil du temps, ils sont devenus des très prisés des Jawa originaires de Tatooine qui se sont mis à utiliser leur vaste espace pour stocker leurs marchandises et loger tout leur clan. Les Jawa qui sont arrivés sur Kobo ont construit un char dans le style de ceux qu'ils connaissaient là-bas. Mais on dirait que celui-là n'a pas bougé depuis longtemps. Vous allez bien ? Et toi, Woody ? Je suis pas sûr de comprendre, mais vous avez l'air d'aller bien. Si vous avez besoin de vous ravitailler, vous devriez aller à l'avant-poste de la vallée du Vagabond. Ah, what Kubo ? Ils veulent recruter Jawa. A plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les Jawa ont l'air contents, hein ? Peut-être qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un avec qui négocier. Ça va beaucoup plaire à Grise. Je sais pas si je peux aller...
quelque chose ça, non? C'est tellement noir. Je vois absolument rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ça? Oh. Point de compétence obtenu. Il reste un coffre, un trésor. Ça peut être dans cette zone-là, honnêtement, là. Si je trouve pas tous les trésors, je serais pas fâché. Je vais être honnête, là. Ben, ce crack-là, on peut le voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais tout ça, c'est secondaire, là. Tu sais, on a aidé. Oh, c'est pas le trésor. Intéressant. Ok, le coffre, c'est le coffre que je peux pas ouvrir. Attends, c'est-tu dans cette section-là qu'il y a un coffre que je peux pas ouvrir? C'était ici qu'il y avait un coffre que je peux pas ouvrir. Non, c'était ici qu'il y avait un coffre. J'aurais pensé qu'il aurait mis un coffre ici. Donc un coffre là. Pas juste un trésor certain. Une seconde là. Si je suis capable d'avoir cette zone là 100%, ça serait fantastique. Fait qu'on va aller voir sur notre ami Gogo. Tous les coffres. Let's go. Montre-moi ça. Peux-tu me mettre ça plus fort? J'ai découvert une nouvelle boisson qui s'appelle Calypso. C'est une limonade. Puis, il y a plusieurs sortes, en fait. Et là, j'ai essayé aujourd'hui Paradise Punch. Donc. C'est très bon, c'est très goûteux. Très bonne limonade. Ça a l'air, je dirais, santé quasiment, même. Donc, quel coffre que j'ai manqué? Je sais pas. C'est clair que j'ai eu le premier qui monte sa vidéo, là. C'est clair et net que je l'ai eu.
je l'ai. Il y en a rien là. Ok, ça map. Je comprends pas pourquoi le monde a des maps avec plein d'items qui montrent sur leur map où sont les items. Y a-t-il quelque chose que j'ai manqué? Peut-être qu'il faut que je sois plus loin. Mais sinon. Il dit, ça paraît, ça a l'air que, ici, il y aurait un coffre. Étrangement, je pense que j'ai pas vu la corde, puis j'ai pas été là. Ça se peut-tu? Ok, on va essayer de sortir de là. Qu'est-ce que j'entends? Bon, je vais le laisser se battre, comprends-tu? Je vais le laisser se battre. Okay, ça a l'air d'être lié à ça. J'avais été jusqu'ici, j'avais ouvert le coffre. Mais là, je viens de voir qu'il y avait une corde. Peut-être que j'avais pas l'accès. Je pouvais peut-être pas faire un triple jump, c'est pour ça. C'est ça qui était vert. Hein, qu'est-ce qui se cache dans ça? Ébouriffé cheveux. J'ai peur. Pourquoi ça fait ça? Ok. Ébouriffé. That's a nice. Et là, on va se téléporter. Dans la section qui a les Stormtroopers qui gardaient la porte. Cette zone-là est faite à 100%, à part les cosses de graines que je me calisse de ma vie. Là. C'est incroyable comment je m'en fous. Est-ce qu'on a une quête en ville par rapport au jardin? Où est-ce qu'ils pourraient être les... Peut-être que les Jawas sont dans la... Dans la cantina? M'étonne que les Jawas sont pas là.
besoin d'un steam. Qu'est-ce que c'est que je m'enroule? On s'arrête un instant. On se repose là. Point de compétence qu'on peut mettre. C'est le gros épée, la grosse épée laser. Renvoi chargé. Appuyez sur L1 avant qu'un tir ne vous touche pour envoyer un tir chargé qui touche la cible et les ennemis proches. Oh, c'est quand même fort ça. Et tonnerre grondant, maintenez L1 plus triangle pour lancer votre sabre laser en ligne à travers plusieurs cibles. La voix de Jedi est trop obtenue. Wow. Donc là, on va monter la force. Tranquillement, pas vite. On va aller dans la zone. Je sais pas s'il y a un truc de téléportation par là-bas, par exemple. Site là. Ascension de la montagne. Je sais pas si j'ai pas mal de choses là, mais. Je pense que j'ai un trésor, pis c'est tout. Bon, on va voir ce qu'on a. Ascension de la montagne et cascade de contrefort. Qu'est-ce qui me manque, cette... Ah oui, je peux pas voir ça, ok. Ascension de la montagne, un coffre sur 6. Une denier sur 4. Un trésor sur 4 et une cosse de graines sur 4. Oh! Pierre-ish. C'est quelque chose derrière la chute? Moi, je disais que oui. Une salle de méditation. On va faire ça après. Ça ne me dérange pas, on va parler à... Calme, mon garçon! T'arrives pile au bon moment! On a un coffre. Bombardier pantalon. Hé, hey, des nouvelles graines. Je vais les apporter à Pili dans le jardin. Pantalon bombardier. Que t'essaies d'attraper? Je traque le féroce Mi. Tu savais que le Mi était le premier poisson que le petit Scuva a attrapé? Ça a dû être une sacrée journée. Ouais, j'étais à peine plus haut que ça. Le petit Scuva a nagé droit dans la gueule de la créature. Un poisson Mi. Le poisson Mi est trompeur. Il se présente comme un animal grégaire avec des larges nageoires et des couleurs vives, mais son apparence ostentatoire cache un prédateur vicieux et audacieux.
Sa bouche qui dépasse de son corps plat est garnie de centaines de petites dents tranchantes comme des rasoirs qui déchiquettent les petits poissons dont il se nourrit. On sait aussi qu'il fait souvent couler le sang de ceux qui tentent de l'attraper. Aucune chair nue n'est à l'abri du poisson mis. Là, j'étais courageux. Il n'a pas pu m'avaler avant que mes compagnons pêche me sortent de là. On dirait que c'est lui qui t'a attrapé. Oh, ça remonte à loin. Reste ici, petit. Je vais te raconter une histoire. Où on en était? Ah oui, le monstrueux capitaine Mouette, son équipage et moi, on fuyait à bord du vaisseau pirate des Zéphyr Abject. Aussi vite que le dégel du matin, j'ai su qu'un truc allait pas. Wagnac me regardait pas dans les yeux. Et une odeur épouvantable flottait dans sa barbe pourrie. Un mauvais présage. Wagnac a pris la barre. Il a remonté les griffes d'atterrissage et on s'est envolé. On a mis le plus de distance possible entre nous et ces pirates. On s'est retrouvés vers la route commerciale, perle mienne. Dès que le capitaine a lâché la barre, il a pris son harpon. Et il m'a lancé un regard, comme un chat en tout cas, affamé, qui observe un sprat. Scuva a grondé le vil capitaine. T'es devenu aussi mou qu'une huître. Si je peux pas compter sur toi pour tuer un Quaron qui a son blaster sous ton nez, je peux pas non plus pour embrocher le grand poisson-loup. Quand j'ai hésité à presser la détente, ça m'a déstabilisé. Malgré mes supplications, le capitaine a largué le pauvre Scuva dans un module de sauvetage. La dernière chose que j'ai vue, c'est son sourire effrayant et tout tordu. Mon expérience sur le grapnel s'est finie de façon houleuse. J'étais seul dans un module, avec rien d'autre qu'une vieille réserve de morue. Je te dirai la suite plus tard, gamin. Le désespoir, l'odeur... Ça suffit à me retourner l'estomac encore aujourd'hui. Ok. Comment faire ça? Un autre défi. Du détachement. Bienvenue, Jedi. Nos problèmes sont souvent des questions de perspective. Changer de position permet de revoir sa pensée, si on l'aborde d'un autre point de vue. Un problème peut sembler bien moins contrariant. Ça me dit quelque chose. Je n'aurais jamais cru que je trouverais cette planète si énergisante. Elle est unique en son genre, non? Je dois te montrer une source que j'ai trouvée récemment. L'aura qui y règne est vivifiante. Une trouvaille rare. Tous ceux qui ont posé le pied sur Kobo ont pu observer les propriétés uniques de la planète, positives ou négatives. Deux Jedi parlent de leur endroit caché préféré sur la planète. Un coffre, une essence, trois données, un trésor. Si différente de Coruscant. Je trouve son calme presque assourdissant en comparaison. Pourtant, il y règne une paix unique. Différence de vie. Deux Jedi de la République sont en pleine conversation au sujet des différences entre leur nouveau foyer sur Kobo et leur ancienne vie familière dans le capitale de Galactique. Apparemment, Dagan a embarqué dans le premier transport disponible. C'est absurde. Je n'y crois pas. Où qu'il soit,
Nous avons besoin de lui. Ça sent le roussi. Portée disparue. Dadan Guerra a disparu après ce qui a été décrit par certains comme un accès de fureur. D'autres espèrent encore qu'il viendra pour les défendre comme il l'a déjà fait auparavant. On m'a donné 3 données. Je sais pas ce que je dois trouver. Comme un orbe? La question. La question c'est. Où est l'orbe? Oh shit! Que Z peut le déchiffrer pour nous. Oh. Ok, l'eau fait rien, fait qu'il faut que je le... Je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que je fasse. Oh, attends une seconde. Covid-7. Couleur de Jedi. Yay.
Patience, nouvel avantage obtenu. Régénération de santé. L'utilisation du ralentissement régénère également de la santé. Ok, ça peut être bon ça. On va enlever ça. Ah, oh, je peux pas l'enlever tout. Cette zone-là est faite, 100%. Voir ce qui se cache dans cette place-là. J'ai pas aimé ça. C'est de l'eau, ça. Moustache fine et mouche. C'est une belle moustache. C'est moi qui ai fait le tour. Une autre de ces portes. Wow! Je pensais pas que c'était une porte de main. Lance-moi un steam, tu veux? Juste à temps. Fighter? Je m'en vais au secteur. Minute. C'est quoi ça? On dirait que ça date de la guerre des clans. Attention!
chasseur Thai en ruine. L'épave d'un chasseur Thai impérial apparemment abattu lors d'une patrouille de routine parce qu'il semblait être un vaisseau de la guerre des clones. Je peux rien faire avec ça. Ça doit être sûrement une nouvelle habileté que je vais apprendre dans... pas long. Par d'où cet oiseau-là? Il n'y a pas grand-chose à voir. Cabane sur la montagne. En quête de richesse, les prospecteurs se sont dispersés et s'installaient sur Tukobo. En conséquence, la montagne, considérée comme le jackpot, a bientôt vu ses contreforts couverts de maisons petites mais fonctionnelles. Plusieurs chemins qu'on peut prendre maintenant, on peut aller là. Regarde ça, BD, de la priorité. Oiseau. Super, des graines. Pili m'en dira plus quand je les aurai plantées. Hé, identifiez-vous. Parti de moi? Grouille d'impériaux.
Il faut continuer à grimper. On va arrêter l'épisode ici. Je crois que ça fait une heure. On va continuer à explorer cette montagne-là, même si moi, ça donnera un bonus, d'après moi. On verra. Donc, je vous dis merci d'avoir été tout le monde. Puis, kepka à tous. Et à la prochaine.